Dieu est parmi nous. Nous te remercions, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Abba, Papa. Nous disons Amen. Acclamez, bien-aimés, la sa joie dans la mission Zambelayo. Alléluia. Sans plus tarder, tout le monde berger. Tant berger à Zoleka, tu bêtes lié sous ma boue comme un casse, tu bêtes lié sous ma boue. Manifeste ta joie, bien-aimés. Je vois un peuple qui n'était pas appelé, mais la parole de Dieu l'a choisi. Alléluia. Je vois un peuple qui était destiné pour aller à l'enfer, mais la grâce de Dieu a choisi cet homme en fait de l'amener au paradis. Alléluia. Je vois un peuple qui était lié, mais la grâce de Dieu a délié toutes ses chaînes. Non, je vois un peuple qui était faible, mais la parole de Dieu l'a rendu fort. Non, je vois un peuple qui était rien, mais la parole de Dieu, elle a fait quelque chose. Non, je vois un peuple qui était rien, mais la parole de Dieu, elle a fait quelque chose. Bible de notre livre de Genèse. Genèse chapitre 25. On va commencer dans le chapitre 25, versets 29 à 34. Genèse chapitre 25, versets 29 à 34. Nous sommes nous tous? Genèse 25. De 29 à 34. Nous sommes. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit de naissance. Ésaïe répondit, je vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaïe méprisa le droit d'aînesse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? On va partager un thème qui se titule « Chercher à comprendre ce que Dieu t'a donné ». Alléluia. Dis à ton frère, cherche à comprendre. Dis à ton frère, cherche à comprendre. Non, dis-le avec conviction, cherche à comprendre ce que Dieu t'a donné. Non, change, on ne lui l'a pas des fois. Dis à l'autre, dis « Cherche à comprendre ce que Dieu t'a donné ». Dis-le « Cherche à comprendre ce que Dieu t'a donné ». Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Et chaque jour qui passe, j'aime bien dire ça. Quand Dieu te donne une journée, c'est encore une opportunité de faire mieux par rapport à hier. Alléluia. Quand Dieu te donne une journée, ce que nous avons appelé sur mon colombo, on cherche à comprendre que ce jour-là que Dieu m'a donné, c'est pour réparer les erreurs d'hier et pour faire mieux par rapport à ce que je faisais déjà. Et tant qu'on est en vie, il faut croire que ce n'est pas la fin de notre apprentissage. Chaque jour qui va passer, on va prendre encore de nouvelles choses. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas changer. Il est toujours le même. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais étant qu'un homme, étant qu'être humain, même si tu as des cheveux blancs, crois-moi, tu as toujours des choses à apprendre. Alléluia. Il n'y a rien pire difficile à cette vie de ne pas savoir qui tu es en vrai. Des fois, j'aime bien dire aux gens, si tu veux comprendre certaines choses, essaie de te poser de certaines questions. Qui je suis? Alléluia. Amen. C'est facile de parler de pasteur. Si quelqu'un me demande, qui est votre pasteur? Notre pasteur s'appelle Révérend Jean-Félix. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il sait faire? Je peux décrire de certaines choses. Mais quand quelqu'un va me demander, et toi, tu es qui? Moi, moi. Et là, on comprend que quand tu ne connais pas qui tu es, tu as beaucoup plus la facilité de trébucher et de faire des graves erreurs. Alléluia. Connaître son identité, c'est bien.
Il y a des certaines questions aussi qu'il faut qu'on cherche de poser. D'où je viens et où je vais. Alléluia. Nauti wap, nazokende wap. Et des choses à savoir de la vie, que ma vie sur la terre, je suis qui est un simple passager. Alléluia. Parce que quand on comprend qu'on n'est pas éternel, il y a des certaines choses on ne les fera pas. Et il y a des certaines choses on les fera mieux. Genre, aimer, pardonner. Alléluia. Amen. Aimer, pardonner. Il y a des choses qu'on ne fera pas. C'est disputer. C'est faire du mal. Combien de fois on est parti dans un deuil, il y a quelqu'un qui pleurait. Ah, si je savais. Ah, si je savais. C'est trop tard. Combien de fois, peut-être dans notre culture, c'est difficile de faire un câlin à ton frère. Combien de fois ça nous devient difficile à dire à ta sœur ou bien à ton frère, mon frère, je t'aime. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est des petites choses qu'on néglige, mais que c'est, ils sont vraiment très importants. J'ai déjà vu les gens qui pleuraient dans les tombeaux de leur maman. Maman, moi, je t'aime vraiment. C'est trop tard parce que tout ce que tu vas faire, il ne va pas t'écouter. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Jésus. Cette histoire qu'on vient de lire, c'est une histoire connue. Je crois que nous tous, on connaît cette histoire. Je vais essayer d'être bref par rapport à ça. Il y avait un jour, un homme qui s'appelait Isaac, le fils de notre patriarche Abraham. Il avait fait beaucoup d'enfants. Mais Isaac, c'était le fils de la promesse. Et à son tour, Isaac, quand il a grandi, la Bible dit quand il avait 40 ans, il a prié à Dieu. Après, Dieu l'a donné des enfants. Et quand il a donné des enfants, sa femme est tombée enceinte, il avait des jumeaux dans son ventre. Et un jour, Rebecca, il a vu qu'il y avait une dispute. Et la dispute qu'il y avait, Dieu l'a paru, il a dit, « Ma fille, il y a des nations dans ton ventre. Mais c'est le grand qui va servir le petit. » C'était une promesse que sa mère, il a entendue. Je ne sais pas s'il a parlé ça à Isaac ou non, mais c'était une chance que je crois bien qu'il a gardée dans son cœur. Et un jour après l'accouchement, c'est un accouchement un peu bizarre. Parce que j'ai déjà vu quelques accouchements, mais je n'ai jamais vu cela. Le premier, quand il est sorti, la Bible dit qu'il était poilé. Ils ont donné le nom d'Esaü. Mais le deuxième, il sortait comment? Avec la main dans les talons de son frère. Ils ont les surnommé Jacob. Il y a certains hommes qui disent non, c'était usurpateur, il n'y a pas droit de naissance, il y a Vénaï. Et c'est un peu vrai ça. Et un jour, ils ont commencé à grandir. La Bible nous dit qu'Isaïe, c'était quelqu'un chasseur. C'est quelqu'un qui connaissait vraiment la chasse. Il partait suivant, il cherchait à manger, il ramenait ça à la maison. Mais un jour, il s'est marié avec une femme étrangère. Et quand il s'est marié avec une femme étrangère, sa mère, elle était peu triste, son père aussi, il était triste. Et son père, Isaac, Dieu l'a privé une chose. Dans sa vieillesse, il a privé la vue. Il ne voyait plus bien. Et qu'est-ce qu'il a décidé de dire? Comme je vais mourir, je vais suivre toujours le même schéma. Avant d'y mourir, j'aimerais bien de bénir mes enfants. Mais il y a une chose qu'on appelle dans la Bible les droits d'aînesse. Alléluia. Droits d'aînesse. Dis à ton frère, droits d'aînesse. Les droits d'aînesse, c'est quoi? On va essayer de simplifier ça. Parce que c'est un thème un peu vaste. Parce que des fois, c'est papa qui peut décider qui sera son fils aîné. Alléluia. Des fois, c'est papa qui peut décider ça. Et Dieu aussi décide qui peut donner le droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse, il y avait quelque chose qui était important, qui était attaché à ça. C'était le sacerdoce, la royauté, alléluia, et la double portion, alléluia. Donc il y avait les sacerdoces, les doubles portions et la royauté. Il y a des certains même, si je vois bien à la reine d'Angleterre, ils ont gardé un peu la royauté. Donc le premier né après l'absence, ou bien après la mort de papa, c'est lui qui prenait la place de papa comme roi. Et papa, il pouvait décider de donner ça à deuxième. Mais, selon les logiques, c'est toujours le premier né qui prenait le droit de naissance. Et dans les sacerdoces, c'était quoi? Genre aujourd'hui, moi, à l'époque, je ne dis pas aujourd'hui, à l'époque, c'était comme ça. C'est moi, aujourd'hui, je suis souverain sacrificateur.
Donc je sais que dans ma mort, c'est Ricardo qui va prendre ma place. Alléluia. Amen. Et tant que je suis sacrificateur. Mais Dieu peut interférer à quelque chose. Parce que Jacob, Jean-Baptiste, il était l'aîné de son père. Son père, il était sacrificateur. Mais lui, Dieu l'a choisi comme prophète. Alléluia. Amen. Et Jacob, il savait cela. C'est pour ça qu'on a dit, chercher à comprendre ce que Dieu t'a donné. Mais si on comprend bien, Isaïe, il était négligent par rapport à cela. Et un jour, il est parti à la chasse. Et quand il est revenu, et quand il est entré à la maison, il avait vraiment faim. Et bien, il était accablé de faim. Donc, c'est que Zalanez a dit ma casse, Penza. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé son frère qui partait par la chasse, qui suivant, il restait à la maison à côté de maman. Et je crois, à force de rester à côté de maman, il a pris un cuisinier. Alléluia. Amen. Alors, nous avons un peu de mystique, solo kitoko. Et quand Esaü est venu, il a dit, hey, comme j'ai faim, il n'y a pas grand-chose à faire. Il a dit, donne-moi ton truc à manger. Donne-moi cette potager, je vais manger. Écoute Jacob. Donc c'est là où j'ai compris, Jacob, il avait beaucoup plus la connaissance des droits de naissance par rapport à Esaü. Il s'est dit, écoute-moi, je vais te les donner, mais avec une condition. Quelles sont les conditions? Écoute, il a dit, si tu veux, je te donne à manger, mais toi, tu me donnes ton droit de naissance. Ah, ça m'a cassé la négociation. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Esaü a dit? Ah, oh, moi, je vais mourir à cause de ça. Ah, ce sont nos droits de naissance. Alléluia. Amen. Parce qu'il était négligent. J'ai appris le mot, la définition des mots qu'on appelle ignorance. Selon ce que j'ai lu, c'est un état d'une personne qui n'est pas informée de quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas pris connaissance de certaines choses. C'est une lacune, c'est une insuffisance. Donc, c'est que quelque part, Esaü, il était tellement ignorant. Il était tellement ignorant qu'il ne savait même pas que ça signifie ça. En gros, qu'est-ce que je peux dire ça? C'est que Esaü, il a vendu la royauté à cause d'une sauce. Alléluia. C'est pas ça? Parce que c'est la droit de naissance. C'est la royauté. Si c'est la droit de naissance, c'est le sacerdoce. C'est la droit de naissance, c'est les doubles portions. Esaü a vendu les doubles portions à cause d'une sauce de tomate. Alléluia. Amen. C'est un peu bizarre ou pas? Et malheureusement, c'est ça qui arrive encore aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on touche cette histoire afin de parler ce qui nous arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, notre monde, il est tellement corrompu. Aujourd'hui, il y a des choses bizarres qui arrivent dans notre vie. Des fois, tu as mal à expliquer ou bien à s'exprimer. C'était la fin. Et Jacob, Esaü, il pensait que non, il va mourir. Mais moi, je demande, je vais donner un petit exemple. C'est j'aime aujourd'hui, il arrive à la maison. Il trouve Dominique à préparer une sauce. Ma question, c'est ça. Est-ce que mon frère, là, il n'a pas le droit de dire, donne-moi à manger. Je ne te donne rien. N'amboka, toi, tu n'as pas le droit de dire, on va retourner d'abord au bled. N'a pas petit frère, il n'a pas le sauce. Il n'a pas le droit de dire, personne n'a rien à dire. Tu vas demander comme ça. Mais pourquoi lui, il acceptait de faire ça? Parce que si je comprends pas bien, l'ignorance, c'est une chose terrible. C'est pour ça que je dis, cherche à comprendre. Cherche à savoir, mais pourquoi je suis en vie jusqu'aujourd'hui? Cherche à comprendre, mais pourquoi vraiment j'ai pris? Alléluia. Cherche à comprendre pourquoi j'ai pris. Parce qu'il y a des certains, les gens, ils ont beaucoup plus la facilité de dire pourquoi ils travaillent par rapport à pourquoi ils prient. Alléluia. Amen. Oui. Il y a des gens qui ont la facilité de dire pourquoi ils vont à l'école par rapport si tu demandes pourquoi tu pries. Comme on a dit hier, plusieurs font penser qu'un moment d'adoration, c'est juste un moment. Des fois, on pense qu'adorer Dieu, c'est juste un moment. Ce n'est pas un moment, c'est une vie. Amen. Adorer Dieu, ce n'est pas une petite seconde. C'est la vie d'un homme qui doit être comme ça. Jacob, il était beaucoup plus informé. Il a dit, personne n'a le droit de naître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, prends-les. Mais donne-moi à manger. Il a demandé du potager. Vous savez qu'est-ce que Jacob il a fait? Il était vraiment malade. Il a dit,
Tiens, moins cher. Pourquoi l'Afrique aujourd'hui il est détruit comme ça? Parce que les gens ils vont en Afrique, ils vont pour acheter le coton. Vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on va au coton, mais il y a un prix. Je vais donner un exemple. Papa m'a zoté qu'à voiture. Entre papa et moi, c'est qui va donner le prix des voitures? C'est papa. Alléluia. Amen. Mais Jacob, c'est lui qui voulait acheter et c'est lui qui donnait le prix. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand diable il est passé, il est parti pour tenter Jésus. Et c'est toujours les mêmes méthodes. Il attend quand tu as faim, il attend quand tu es faible. Alléluia. Non, il n'a pas mis ça tout le monde pourquoi aller là. Il va attendre quand tu es fatigué, quand tu peux plus. Là, il va venir. Et cette négociation, il est parti dire à Jésus, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai les... Alors, vous pouvez se dire. Vous pouvez se dire. Mokili. Ah, mais diable, c'est un comédien. Vous savez pourquoi? Pasteur bienvenu, ils a prêché ici, non? Non, c'est la Mokili. Yeah. La parole de vie. Vous savez, vous comprenez ça? Il va venir à négocier l'eau comme les Angantina par rapport à l'eau des Angantina. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, moi, ce que vous avez dit, c'est que la Bible est 500 €. Et il n'a pas été. Vous savez pourquoi? Parce que ma question, je vais demander, si lui, il comprend que cette Bible vaut 500 €, c'est qu'il vaut plus. Quelqu'un qui l'a fait, l'économie m'a dit, quand quelqu'un il vient pour acheter une chose chez toi, il te propose un prix, multiplier cet prix fois 15. Alléluia. Quand quelqu'un vient pour négocier, quand il dit non, dans ce moment, dans 500, c'est parce qu'il multiplie ça fois 15, on comprend la réalité. Je me demande des fois combien de femmes ils ont négocié leur mariage à cause du travail. Combien de hommes ont négocié leur mariage à cause d'un poste au travail? Et le plus étonnant, c'est quoi? Comme aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a des caméras partout. Ils sont en train de filmer ça. Il parle avec toi, il est en train de négocier avec toi. Il est en train de filmer ça. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Il va publier ça. Combien de gens ils sont en train de négocier les droits de naissance d'être un enfant de Dieu à cause d'un petit moment de plaisir? Ma Bible me dit, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et combien de gens sont en train de négocier ça à cause d'alcool? Alléluia. Il est toujours ivre. Tous les jours, il est ivre. Il n'y a rien qui me fait mal quand je marche dans la rue. Je vois quelqu'un qui vend son corps à cause de l'argent. Il n'y a rien qui me fait mal. Parce que qu'est-ce que je pense toujours? C'est le temple du Saint-Esprit. Tu vaux mieux à tout ce que les gens disent de toi. Tu vaux mieux, tu vaux mieux. Ce que les gens disent de toi, non, ce n'est pas la vérité. Tu vaux mieux. J'aime bien de dire ça aux gens. Ta vie, ça coûte la vie de Jésus à la croix. Les seules choses qui donnent la vie pour acheter encore ta vie, c'était la mort de Jésus à la croix. Et qu'est-ce que je peux négocier par rapport à ça? Je m'en fous si les gens ne m'aiment pas. L'amour de Jésus, ça me suffit. Je ne veux pas que tu fasses comme Samson. Dalila, il a demandé à Samson, comment tu fais pour être tellement fort? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans mes cheveux. Alléluia. Amen. Vous êtes cassé, écrit à Vinayo. Tu vends le plus important à cause des moments de plaisir. Samson, il ne savait pas que Dieu l'a placé dans Israël en fait d'être quelqu'un qui va défendre Israël. À cause de son plaisir, Israël a comme la défaite. Et combien de fois on amène des fêtes à l'église à cause de nos petits plaisirs? Alléluia. Est-ce que l'église m'attend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? On acclame pour la gloire de Jésus. Dieu veut manifester sa gloire. Mais quand Dieu veut manifester sa gloire, il a besoin de toi aussi. Alléluia. Dieu veut faire des grandes choses. Mais il a besoin de toi. Parce qu'il t'a créé aussi pour ça. C'est ça le plus important. De savoir qu'est-ce que tu as. Comme le pasteur l'a dit dimanche, Dieu a dit à Moïse,
Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Qu'est-ce que Moïse leur répondit? C'est un bâton. Oh là là, alléluia. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Non, on a nzamba fonga la musa mutumona po kona lelo. Parce que Moïse a souka karawane sala ki bâton. Mais nzamba le beza bâton te zanyoka. Alléluia. Peza nyoka moko e apamba pamba te. E zanyoka mela kaba nyoka mususu. Non, Moïse a bika e zala kaka nyoka pamba. Nzamba le beza la kaka nyoka te. E zala ka fongola oe fongola ka main rouge. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Non, tu as des grandes choses. Tu as des choses de valeur dans ta main. Et si tu lui donnes et si tu te mets en disponibilité de Jésus, Jésus va faire des grandes choses. Oh, Jésus a transformé goûter à moine pour aller à 5000 personnes. Goûter à moine. Eh, maman, goûter à ma passe. Ma pas mon kamike. Mais nous avons mis le peuple. Ça signifie quoi? Dieu veut faire de grandes choses. Il a vraiment besoin de toi. Aucun ange prêche l'évangile. Ange attaque l'évangile. Côté évangile, c'est un côté que l'angobi saute. Que non, c'est pour vous. La Bible dit quoi? Faisez-les mes disciples. Alléluia. À ceux qui vont croire en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades. Et les maladies seront qui? Ils seront guéris. Il n'a pas déterminé pour une seule personne, pour nous tous. Mais qu'est-ce que tu dois faire, toi? De comprendre qu'est-ce que Dieu a mis à ta disposition. L'ongwa na makambako tala makambo mususu. Et ça, verset mon qu'on a bibé ebisinga lobinini, avant l'on la poutre dans la liste, avant l'on la paille dans la liste moninga, l'on la nini, poutre dans la liste na yo. C'est que Dieu veut que tu te comprennes d'abord toi-même. Nzamba lingi o comprendre na yo nanu. Avant que pas mutu mususu. Linga moninga na yo ndengo saka nini, ndengo milingaka. Comprends d'abord quelle est ma mission. Parce que quand tu comprends une mission na nga zanini, on a un mission. Il y a une chose que Paul disait. Ah, ngai, ceux qui n'ont pas l'évangile. Il n'y a aucune circonstance où il y a Paul qui m'a dit. Il n'y a aucune circonstance où il y a Paul. Il n'y a rien qui a battu Paul. Paul, même quand il était dans le moment de faiblesse, il était joyeux. Une chose, Paul disait, je ne vais pas négocier mon droit d'aînesse. On va essayer de comparer des hommes. On va essayer de comparer Samson et Joseph. Alléluia. Nana quoi ça Samson? Mon amour sinon. Et tant que pas Joseph, qu'est-ce qui se passait? Alléluia. Parce que Jacob et parce que Joseph, il a compris qu'il avait quelque chose. Alléluia. Joseph a compris qu'il avait quelque chose. Si on suit bien l'histoire entre Joseph et Samson, la personne qui avait la facilité de céder, c'était Joseph. Vendu pour ses frères, jeté dans un trou, et parti comme un esclave, ils ont les vendus encore, va proposer au démon de Mouzaboué, ce qu'on commune en Kaka et Nanyoya, on va pas citer les noms. Ce qu'on commune en Kaka, je n'ai pas donc, au commune poste, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, c'est la femme de mon patron. Combien de jeunes aujourd'hui, je n'ai même pas honte de le dire, combien de jeunes aujourd'hui, ils sortent avec des gens plus âgés qu'elle, que lui. Combien de gens? Et pourquoi ils font ça? Pour avoir une belle vie. Vous savez quoi? Quand quelqu'un fait une piège pour attraper souris, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Si je fais une piège pour attraper les souris, j'aime quoi? Le fromage. Et qu'est-ce que souris va dire? Je suis abonné. Il prend un fromage, il mange. Il y a encore un autre fromage, il fait quoi? Il mange. Et qu'est-ce que ça fait? Il va aller jusqu'au trou. Il fait quoi? Il tombe. Ce que font les mis sous terre, mon frère, ma sœur, vous allez voir ta bonne année. Vous savez quoi? Tabasso qui va bakangi et Singapour aller la bonne année, soit tout ça dans l'année. Donc, on s'en bat un mois de novembre et un mois d'octobre. Tu vas dire qu'on l'est, ça y est. Et maître qui va voir, na ligi na lia. Azo et bateke bazo lesa yo po koma mounene. Pona le décembre, le 25 décembre, tout ça anime. To lia yo. Diable il opère comme ça. Non, je donne des exemples simples en fait de comprendre les choses. Toi tu dis non, je suis abonné, me donne à manger. Mais comprendre pourquoi une femme qui a beaucoup de l'argent va accepter de sortir avec toi qui n'a pas de l'argent. Hein?
Pourquoi ça? Parce que lui, il est gagnant. Parce qu'elle, elle est gagnante. Parce que maintes fois que le diable va venir pour négocier avec toi, parce que c'est ce qui négocie avec toi, c'est lui qui est gagnant. Jacob, il dit, non, je vais donner le potage parce que moi, je suis gagnant. Et qu'est-ce qui se passait? Il a pris. C'est pour cela qu'il y a un pouvoir dans nos paroles. Alléluia. Malobano, ils ont un pouvoir. Parce que comme il a fait, comme il a vendu, les seuls témoins ce jour-là, c'était Dieu. C'était déjà plan de Dieu. Mais il y a moko Jacob, il y a moko Esaou a libéré pas Jacob. Et qu'est-ce qui se passait? Son père l'a béni. On va prendre le livre des Éphésiens. Éphésiens 3. Éphésiens chapitre 3, verset 20. La parole du Seigneur. Amen. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus. Il a dit, or, à celui qui peut faire, Dieu, il peut faire. Je peux même te dire encore, Dieu, il veut faire. Mais il veut faire ça où? Il veut démontrer sa puissance où? En toi. S'il y a quelqu'un qui peut alloger dans ta vie, permets seulement, ouvre une porte, mais pour le Saint-Esprit. Afin que Saint-Esprit ait entré dans ta vie pour te révéler le seul désir de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, l'heure vient que les véritables adorateurs, ils adoreront un esprit et en vérité. C'est le moment de comprendre ce que Dieu veut pour toi. Si tu regardes ta souffrance, tu ne pourras pas t'en sortir. Si tu regardes ce qui est en train de te tracasser, tu ne pourras jamais t'en sortir. Si tu as la fatigue, tu as la fatigue. J'ai vu des hommes qui ont prêché la parole de Dieu sans maison. J'ai vu des gens qui ont prêché la parole de Dieu qui n'avaient même pas de toi. J'ai vu des gens qui ont prêché la parole de Dieu, que les gens ils appelaient des mendiants. Paul il a dit, je me suis même fait comme un esclave, juste pour prêcher la parole de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ce que nous on veut vraiment, ce que nous sommes. Parce que tout le monde quand il comprend ce qu'il est vraiment, il y a de certaines choses il fait rappeler. Depuis le jour que j'ai pris la connaissance qui était Jésus, j'étais déjà majeur. Parce que je comprenais ce que âge n'angate. Là, j'ai compris, non, c'est plus encore les choses de mon âge. C'est comme un roi. Un roi aujourd'hui, c'est un, il a un enfant. Et le roi meurt. Le petit là, il sera roi. Mais il ne va pas pouvoir utiliser son autorité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un enfant. Mais quand il grandit, il prend connaissance des choses. Là, il va vraiment gouverner. Parce que tant qu'il est petit, même l'esclave de la maison continue d'aller à Kidiba. Qui ne ressemble à pas Kéi. Pourquoi? Azaroua. Mais Azana maturité habité à Kazaroua. C'est comme nous les chrétiens. Je vais te dire, peut-être ça va te choquer. Je sais que pasteur déjà a bien venu à toucher à ça. Il y a des certaines choses qui ne bougent pas dans ta vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. C'est parce que toi, il ne veut pas. Alléluia. Et ça m'a commencé à changer ta vie. Et ça m'a embêté. Alléluia. Que Dieu nous aide. Tout est aimé, lève-nous.